L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais et l'Union des jeunes de la majorité républicaine sociale pour l'émergence décident d'unifier leurs forces sur le terrain politique. C'est ce qui ressort donc de la rencontre présidée par le délégué national de l'UJPDG. Un reportage signé Léa Bifane Arnaud Mengue. Politique d'ouverture, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a ouvert la porte à l'Union des jeunes de la majorité républicaine sociale pour l'émergence. Dans un élan de partage d'opinions, le sens de patriotisme et d'engagement ont été mis en avant. Ce qui devrait nous interpeller, nous, en tant que jeunes gabonais, jeunes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, c'est de mesurer ensemble les dangers que constituent les réseaux sociaux. Nous observons depuis un certain temps une ambiance morose et délétère. Des messages qui sont adressés, des intimidations, des menaces venant de part et d'autre et qui malheureusement sont en contradiction avec les valeurs de notre République. Loin de s'embarquer dans l'instrumentalisation, la jeunesse gabonaise devrait s'investir pour la préservation de l'unité nationale. Le débat politique, ce n'est pas un débat de personne. Le débat politique, ce n'est pas un débat de qui à qui. C'est un débat sur quoi? C'est un débat sur un programme de société sur la base duquel Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a été élu. Est-ce que nous devons encore longtemps supporter dans le silence qu'en face de nous, nous ayons des compatriotes qui veulent briser justement cette unité nationale? Une première rencontre sous forme de prise de contact qui a édifié les jeunes de la majorité républicaine. Aujourd'hui, il y a un esprit fraternel qui a pu se dégager de cette rencontre et qui a permis à ce que les membres des partis ou bien les jeunes membres militants des partis de la majorité républicaine puissent communier ensemble autour de certaines stratégies à mettre en œuvre pour toujours porter plus haut la politique du chef de l'État. Nous devons rester mobilisés autour de la personne du chef de l'État, à savoir Ali Bongo Ondimba, parce que le CLR a toujours soutenu l'action du président de la République et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter cela. De plus en plus unis pour une même cause, l'UJPDG et l'Union des jeunes de la majorité s'engagent à militer davantage en faveur des actions du président du PDG, Ali Bongo Ondimba.